got, but there's one thing that I've got. There's one thing that I've got. The shape of the clouds in the sky. It's for my people doing it right. It's for the sample right in time. Vintage keyboards and dusty roads. And of the 60s abroad. I know it's for a long time up to now. But all those things made a blow in my mind. Concept albums, weird orchestrations. All kind of stuff you put in your own collection. Museum of sounds. And all the golden men. Jamming on it again. Right on, I'm jamming on it again. For the guy who just made a song and disappeared, was it right or wrong? Giving the search for a world generation. It does attract more. It does attract more than a big reaction. One thing that I've got. There's one thing. There's one thing that I've got. I've got. There's one thing. There's one thing that I've got. It's for the flying in my dreams at night. It's for the shape of the clouds in the sky. It's for my people doing it right. It's for the sample right in time. Vintage keyboards and dusty roads. And of the 60s abroad. I know it's for a long time up to now. But all those things made a blow in my mind. Concept albums, weird orchestrations. All kind of stuff you put in your own collection. Museum of sounds. And all the golden memories. Right on, I'm jamming on it again. Right on, right on, I'm jamming on it again. For the guy who just made a song and disappear, was it right or wrong? Giving the search for a world generation. It does attract more. It does attract more than a big reaction. Back and back and back into the days, the good, the good, the good old days. Back and back and back into the days, the good, the good, the good old days. Right on. Et bien évidemment, comme Monsieur le Président, je ferai un courrier de nouveau pour que le départ ait bien lieu sur le Prado, comme chaque année. Et puis, bon, sur toutes les différentes manifestations, aussi bien sur la communication que sur du matériel, la mairie sera toujours en soutien et en appui technique pour vous aider à réaliser vos différents projets. Alors, écoutez, de toute façon, je vais rester jusqu'à la fin des travaux. Je vais écouter le rapport moral d'activité financière. Et puis, tout ce que vous avez fait m'intéresse énormément. J'excuse Marion de la passer, qui est malade, donc qui n'a pas pu être à mes côtés. Et puis, je vous dis à très bientôt, puisque quand même, nous sommes dans une période un peu particulière, donc je ne peux pas, je peux pas faire comme les autres années, ou parler de subventions ou de finances. Ça m'interdit par la période électorale. Donc, je ne fais qu'un point de vos activités. Mais quoi qu'il se passe dans la vie, il y aura toujours du sport à Carcassonne et votre club sera soutenu parce qu'avec la qualité de vos prestations, je ne vois pas comment la ville ne viendrait pas en soutien à votre club. Merci. L'association comptait au 31 décembre 2013 110 membres inscrits. À jour de cotisation comprenant les membres d'honneur, les présidents d'honneur et les membres inscrits à partir de septembre 2013. La cotisation n'était exigible qu'au 1er janvier 2014. Je tiens à remercier Alain Cotin qui a fait un très bon travail, qui nous a bien remis en place les listings et qui a bien suivi les cotisations. Voilà, donc l'athlétisme de 2013, durant l'année écoulée, on a fait donc 21 manifestations de demi-journée à 4 jours. Et
manifestations auto et 13 manifestations moto. Alors, vous avez le bulletin qu'on vous a remis qui retrace toutes les manifestations qu'on a fait en 2013, donc je ne vais pas y revenir dessus. Éventuellement, quand on reprendra le calendrier 2014, les personnes qui sont occupées des sorties 2013 pourront revenir si elles ont quelque chose à dire sur la sortie 2013, comme ça, ça ne fera qu'un seul listing des manifestations. Parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, on fait à peu près les mêmes sorties, donc le seul truc qu'on a fait en plus cette année, c'est une sortie, on a reçu nos amis de Grefendel, avec Alain Camille, qui nous a amené toute une plein de voitures très anciennes, des camions, des motos, ça a été vraiment, on les a amenés à la mer, ça a été une journée fabuleuse, on a fait quelque chose de vraiment très très bien. C'était la seule manifestation en dehors de ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Alors moi, contrairement à ce que dit Jeannot, quand même, je trouve que, étant donné qu'on a mis que deux réunions par mois au lieu de trois, on a quand même une hausse de fréquentation quand même. Surtout lors de la galette, d'ailleurs. C'est motivé. Non, mais c'est vrai qu'on a quand même eu un peu plus de... C'est vrai, on a oublié des fois de rajouter des tables. Hein. C'est vrai, on a quand même eu un peu plus de monde. Je trouve que c'était un peu... rassurant de voir que quand même... Bon, c'est toujours les mêmes qui viennent, évidemment. Mais bon, on est content de se retrouver. Voilà, on est content de se retrouver. Bon, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Un truc auquel habituellement on ne comprenait rien. Alors, tout d'abord, je remercie Alain Cotel, ça a déjà été fait, mais je le remercie aussi parce qu'en fait c'est lui qui bosse et c'est en fait, grâce à lui que les comptes sont bien tenus, pas du tout à cause de moi. Ne vous inquiétez donc pas. L'année 2013 est une bonne année. L'année 2013 est une bonne année pour un trésorier comme moi, puisque d'abord, sur le plan de la méthode, les comptes sont tenus avec encore plus de clarté grâce au travail d'Alain. C'est aussi grâce au travail de chaque responsable de manifestation que j'ai des justificatifs comptables qui tiennent bien la route. Bref, j'ai eu un travail de révision à faire qui était simple et efficace. Donc je suis à même de vous dire que les comptes que vous avez sous le nez reflètent de manière tout à fait fidèle ce qui s'est passé tout au long de l'année en termes de comptabilité. Quelques défauts à corriger. Donc le tour de l'ordre, vous avez le compte rendu dans le bulletin. C'était 80 voitures, un plateau exceptionnel, un peu moins de Belges cette année. Par contre, une forte participation du club auto-légende de Paris, plus tous les habitués. Voilà, en gros. On a eu une belle réception à la mairie de Ginestas pour la journée club. Donc, je remercie encore monsieur le maire. Un beau petit déjeuner à Castelnaudary. Manque de peau pour tout le monde, puisqu'il y a eu un couac dans le roadbook. Et un grand merci à la famille Terki, et notamment à Robert Terki. Ensuite, il y a eu quelques points faibles, donc. On a constaté qu'il y avait trop de voitures, 80 voitures, c'est trop, ça perd en convivialité. Donc il faut revoir ça pour 2014. Une grosse déception au domaine Sautès avec le traiteur. Là, il y a eu un gros couac avec le traiteur. Et ensuite, on a eu moins de bénéfices sur un budget de 68 000 euros. On a eu un bénéfice de 1 900 euros. Et on a eu moins de bénéfices, ce qui est dû à l'achat des voiles du Tour de l'Aude. Et ensuite, à la remise des médailles pour le 25e anniversaire. Il y a tous les bénévoles qui nous aident à cette bourse, parce que c'est vrai que c'est lourd comme organisation, ça ne paraît pas. Et surtout, remercier ceux qui ne font pas partie du club, notamment Bébé Hubert, Camille et Michel, qui se les gèlent dehors et qui vraiment nous donnent tout leur appui. Et puis tous les membres du club, bien sûr, qui sont nombreux. Donc, paradoxalement, malgré une météo défavorable, cette année, nous avions déjà reculé la date, parce qu'on n'a pas pu avoir le troisième dimanche comme d'habitude, donc par des réservations de mairie, c'était tout à fait indépendant de notre volonté,
Nous avons eu quand même le même nombre d'exposants que l'année dernière, mis à part deux ou trois exposants, mais qui vendaient du neuf, et, puisque cette bourse, malheureusement, m'est tombée en même temps que Vif et Cognac. Donc c'est vrai qu'on avait un peu moins de... On avait peur d'avoir un peu moins de personnes. Et puis en fait, eh bien, c'est une bourse qui est bien assise. On draine quand même, peut-être pas nationalement, on ne va pas être prétentieux, mais au moins tous les gens du sud et du sud-ouest. Donc on a eu la buvette à travailler pareil. On a eu exactement le même nombre d'exposants à 10 près. Et après, eh bien, la même fréquentation. Les sorties de moto du dimanche matin sont de plus en plus importantes parce qu'on a beaucoup de motards qui viennent. Bon, mais ce qui nous on est reproché, c'est qu'ils ne sont pas assez anciennes. Les motos sont des années 80-90. Alors, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas impliquer quelqu'un de venir avec une moto de 80, dire « Monsieur, vous êtes trop moderne, vous repartez à la maison. » Ça, c'est, je ne peux pas le faire. Maintenant, j'ai regardé, les assurances vous prennent 30 ans, c'est-à-dire l'assurance collection. 30 ans, ça veut dire qu'on peut, si on veut, sortir avec une moto ancienne. Donc ça porterait sur les années 80. Voilà. Hein? On est à peu près dans le truc. Il y a 4 ou 5 motos vraiment modernes. On le fait pour qu'ils se persuadent à changer la moto et prendre une moto ancienne. Bon, mais ça marche pas toujours. Bon, pour 2013, en janvier, nous avons fait le lac de Jouarre avec M. Régis et Christine qui nous ont amenés au lac. C'est eux qui ont organisé la sortie. Ça s'est très bien passé. Ils sont là. Le 23 février, c'est la soupe aux choux. Là. Messieurs, soupe aux choux au club 620 à Fontiès. Là aussi, on était très nombreux. On n'a pas eu de neige là, cette année, mais l'an prochain, je crois que enfin, cette année, je ne sais pas, le temps est encore doux. Ce ne sera plus la soupe aux choux, ça va être une fraise, comme disait Christophe, ça va être une fraise au caramel, parce qu'il fait très chaud. Hein. Bon, le 10 mars, on a fait la sortie au château de Cavanac, chez Gobain. Là, alors, c'est du super, 3 étoiles, buffet à volonté, nos motards sont ravis. Bon, le retour est difficile. Vous savez probablement depuis l'année dernière que nous avons eu la xème visite de nos amis allemands à Carcassonne, dans le cadre des 40 ans du jumelage entre Carcassonne et Eggenfelden. Et ils font à leur tour en Allemagne cette année, un grand événement également, a remarqué peut-être que nous, ça fait maintenant 15 ans que nous avons établi le contact avec le club en Allemagne. Et nous avons eu des échanges en 99, en 2000, en 2007, en 2008, en 2013 et maintenant en 2014. Alors le trajet que nous allons faire sera un trajet de 12 jours, départ de Carcassonne le 28 juillet, et retour le 8 ou le 9, en fonction des distances que chacun va parcourir. Première étape, Valence. Deuxième, Belfort. Troisième, Markgröningen, qui se trouve dans la région de Stuttgart. Le lendemain, on fera une visite au musée Porsche. Et on continue ensuite sur Weissenburg, en Bavière. Le lendemain, selon les désirs de chacun et la météo, on peut faire une remontée du Danube pour aller visiter une abbaye, pour arriver ensuite le premier à Eggenfelden. Le samedi 2 sera libre, nous aurons une réception à la mairie. À propos, il y a changement de maire, tout comme ici. Et le soir, une réception par nos amis allemands sur place. Le dimanche, le grand tour où il y a toutes les voitures dont vous connaissez certaines, d'ailleurs celle de monsieur Roger Debien qui est parti là-bas. Et le lundi 4, nous aurons la visite du musée ou du montage des BMW et une visite en centre-ville de Munich selon ce qu'on veut faire. Le retour, Kirchen, Belfort, Chambéry, Carcassonne. Alors la dernière étape, elle est un peu dure, parce qu'elle nous fera 500 km.
C'est pour ça que je dis peut-être que certains voudront faire un stop entre la fonction 2. Nous avons une petite boutique au plein où il y a des écussons, des polos, des contrebandes. Donc Josette a déjà pris place pour vous apprendre, ceux qui n'arrivent pas à se rentrer. Autre chose, une communication, pensez à donner vos adresses mail au trésorier qui en aura bien besoin. Et ensuite, nous avons notre ami Charles Cambroc, qui a fait un livre à l'honneur du circuit, puisqu'il appelle le circuit oublié, un circuit de vitesse qui a eu lieu aux environs autour de Carcassonne. Il a fait ce livre, il est très sympa, il parle de notre club. Je pense qu'il va pouvoir vous en dire deux mots, Charles, si tu veux bien venir. D'être parmi vous aujourd'hui, puisque ça me rajeunit vachement. J'étais membre du motoclub de Carcassonne dans les années 65, quelque chose comme ça. Nous formions à l'époque, autour de M. Cambiès, une section moto qui s'appelait les Jeunes Lièvres. Donc j'étais un jeune lièvre, et là je suis devenu tout dire, hein. Quoi. Donc, tout dire, allez. À cette époque-là, mon père était rassuré de me voir partir en moto avec Cambiès, mais il voyait ça d'un sale œil tout de même. Et il ne manquait pas de me rappeler qu'avec mon oncle, ils avaient assisté à la mort d'un pilote sur un circuit à Carcassonne. Bon, alors il me cornait ça pour essayer de me dégoûter de la moto, mais il n'est pas arrivé. Et je croyais que ce n'était pas vrai tout ça. Et puis quand il est mort, en 2001, j'ai vérifié, je me suis dit, est-ce qu'après tout, il n'y aurait pas eu un circuit à Carcassonne? Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait eu une très grande activité à Carcassonne. J'ai commencé à faire des recherches, et ça m'a amené à faire des recherches quasiment pendant 4 ans autour de cette idée. Et je me suis aperçu qu'en 1929, il y avait eu une première course de côte organisée sur la côte de Ville-Gaillenc. Course de côte qui rassemblait des voitures, il y avait même une voiture, je crois, de 8 litres de cylindrée, enfin, un truc extraordinaire, des motos, des sidecars, des engins, un peu de nature indéterminée. Et donc, cette course de côte a eu un grand succès, vous pensez, on était en 29. L'année d'après, en 30, elle a été reconduite, et puis il y a eu une exposition sur le boulevard Barbès, des qui avaient participé à la course de côte. Et puis, les membres de l'Automobile Club ont eu envie de faire quelque chose de plus grand. Et donc, l'idée est venue de créer un circuit routier autour de Saint-Lazare et d'organiser, dans un premier temps, des courses de moto. Il est là-bas, Charles est à votre disposition pour vous en vendre, pour vous en dédicacer ou pour vous en montrer un peu quelques extraits. Et il va le faire, il va vous faire une petite projection. Et voilà, donc nous allons passer au moment le plus agréable, c'est-à-dire l'apéritif. C'est bien. Bon. La séance est levée. Alors, président.